Ministère de la Défense ce mardi, conférence de presse de ministre Richard Nwoye. Premier point, celui de la situation sécuritaire dans le pays. Nous avons demandé à ces soldats de donc regagner les casernes, remettre leurs armes au râtelier, laisser les populations vaquer à leurs occupations et que le gouvernement prendrait des mesures donc idoines pour que le calme revienne définitivement en ce qui concerne toutes ces préoccupations, et c'est ce qui est fait aujourd'hui. À la question « L'accord est-il solide ?», le ministre se veut rassurant. Je puis vous garantir que l'accord est acquis, que les deux parties sont consentantes et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Pour Richard Nwoye, le gouvernement privilégie le dialogue pour préserver la cohésion sociale. À cette heure, 2 morts et 9 blessés sont enregistrés. L'État s'engage à les prendre en charge. Il y a eu des morts, il y a certainement des gens qui sont coupables. Les enquêtes ont été demandées, nous avons demandé à ce qu'il y ait des enquêtes et que des mesures soient prises, disciplinaires, pour tout contrevenant, enfin toute personne qui serait coupable d'un acte délictueux. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé une série de dispositions arrêtées pour améliorer les conditions de vie des militaires, telles que stipulées dans la nouvelle loi de programmation militaire. Ce sont entre autres concernant le logement, un nouveau bail de 20 000 francs. Il y a une série de mesures que le gouvernement prend qui va améliorer donc les conditions de vie et de travail des soldats. Autre chose, la réhabilitation et la construction de casernes, l'ouverture de 4 hôpitaux militaires sur toute l'étendue du territoire. Demain, le Conseil des ministres devrait dévoiler un peu plus de détails sur cette nouvelle loi de programmation militaire.